Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite attaque du jour avec un petit niveau 9, c'est parti. Alors pourquoi j'ai dit petit niveau 9? Et bah c'est tout simplement un... un petit molosse de lave, un petit géant. Voilà, non mais bon, je tiens à le dire à chaque fois parce que bon, voilà, sinon après on va dire ouais, bah attends, t'as dit qu'il était petit? Ah ouais, mais c'est toi le petit en vrai, c'est toi que sais pas jouer mon gars. Non mais attends, quand je dis petit, c'est limite une expression, tu vois, bon. Du coup, alors, enfin, c'est même pas... Ouais, non, d'ailleurs, du coup... Ah bon, laisse tomber, je m'égare. Oui, donc, ce que je vais faire... Oh, ça passe? Non. Arrête. Yes? Yes! C'est magnifique. Et ça a même pas touché à la tour, c'est magnifique. Eh, c'est franchement... Eh, franchement, on commence trop bien. Allez, c'est parti, on envoie le prince ténébreux. On envoie peut-être les archers, tiens, la mythe. Les archers, s'il te plaît. Enfoiré. Oh là là, quelle dommagitude. Bon, c'est pas très grave, ça passe ou pas? Un petit coup, moi. Oh, c'est vrai qu'il avait le bouclier, j'avais oublié. C'est génial, ce... Ah, le prince ténébreux, il est génial, franchement. On n'a rien à dire, le kiff total. Alors, du coup, ça passe ou pas? Attention, hop là, petit molosse de lave. Suspense, attention. Le suspense est à son comble, comme on dit. Ouais, j'arrête. Ouais, attendons. Ça passe ou pas? Mais regarde, il sert à rien, ton... Enfin, quoi que si, il sert là, si, bah, si, effectivement. Ah, si, fait... Non, j'ai rien dit. Non, mais je pensais avoir des troupes qui tuaient ton. Mais non, pas du tout, j'ai juste un sorcier de gaz, donc ça fait pas grand. Oh, mais tu vois, il sert à rien ton sort de zap. Là, t'aurais eu des flèches. Hop là, voilà, tu as un petit exemple. Ouais, sort de zap. Franchement, c'est la meilleure carte du jeu. T'as vu ce que ça a fait ton sort de zap? Voilà ce que ça a fait ton sort de zap. Ouais, c'est la meilleure carte du jeu, je vois ça. Mais oui, c'est ça, oui. Ouais, non, mais les flèches, ça vaut mieux que le sort de zap, mon petit. Non, mais le sort de zap, c'est vite fait, quoi. Ah non, mais franchement, il y a des avantages. Il faut pas exagérer, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Hein, bon. Non, mais c'est vrai, quoi. Attends, sort de zap, c'est la meilleure carte du jeu. Ouais, attends, faut peut-être pas exagérer. Non, mais bon. Alors sinon, dans ce cas, toutes les cartes sont les meilleures cartes du jeu, dans ce cas, parce qu'elles ont tous un avantage et tout, donc voilà. Bon, bon. Attendant. je sais pas quoi faire, là, hein, parce que du coup, j'ai pas de molosse lave, j'ai rien du tout. Et lui, il est en train de me défoncer, là. Donc attends, je vais mettre ça avant, quand même. Hop là. Ça va ou pas? Ça va. Franchement, on est plutôt bien, on est en train de temporiser de... Ça va, franchement ça va. Oh magnifique, t'as vu ce qu'il a fait là? Bon, je m'en fous, j'ai gagné hein. Ah si, je t'attire hein. Regarde, hop là, attention. 2, 1. C'est fini mon petit. Oh j'ai vite, bon j'arrête. Non, franchement bien joué. Bien joué, dès le début, tu m'avais bien eu dès le début. Mais j'ai réussi à te rattraper parce que t'as un sort de zap. Faut apprendre des flèches mon gars. Les flèches c'est la base. Sort de zap, ça sert, mais pas vraiment. sur la plupart des situations, franchement, sur les situations de grosse masse, si t'as pas les flèches et que t'as le sort de zap, eh ben, ok, c'est bien le sort de zap, hein. Mais les flèches, dans ces situations-là, c'est mieux. Voilà, bon, attendons. Ce que je vais faire, c'est que, bah, du coup, bah, je vais vous laisser sur ce, parce qu'on a terminé l'attaque. Et donc, du coup, je vais vous dire à une prochaine vidéo. Je vais vous dire ciao. Et puis, n'oubliez pas, moi, c'était cool.